Hey! Aujourd'hui on se retrouve, donc c'est le deuxième jour à Miami. Il s'est passé des tas de trucs depuis hier quand on vous a quitté. Donc je vous ai dit qu'on devait sortir. On est sorti et des choses folles se sont passées. Des choses vraiment folles en fait. C'est-à-dire que on est avec des gens, vous l'avez dit. Au début on devait sortir dans une boîte et puis ces gens-là nous ont dit qu'ils allaient à South Beach. Du coup on a dit on va aller à South Beach. Il y a vraiment une mauvaise lumière. Nickel. Du coup on a dit qu'on allait à South Beach et d'un coup il y a la mère des filles il y a la mère des gens qui sont là, genre il y a trois filles qui sont là et leur mère. Et elle nous envoie un texto en nous disant bah, ma mère si tu veux peut vous amener à South Beach. En gros ça nous évitait de prendre un Uber quoi. Du coup on a dit bah, ouais nickel et tout on fait ça. Et donc là on sort parce qu'elle nous dit qu'elle est là. Genre là on sort. Genre ici en fait. On arrive là hier et là qu'est-ce qu'on voit? On voit une décapotable. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un iguane. Il y a un iguane encore? Il n'y a que des iguanes dans ce pays. Hein. Et donc là, on voit une putain de décapotable. Du coup, je me dis, mais. Une Mustang. Je me dis, mais est-ce que c'est la voiture dans laquelle on va se trimballer ou pas du tout? En fait, oui. En fait, on était en décapotable hier. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu. Mais sinon, je vais vous mettre des petits clips. Là. Elle nous a dit j'ai le Bluetooth, mettez de la musique. En fait on a mis Aya et plein d'autres gens. Et on s'est régalé en fait d'être là en décapotable à Miami. C'était la folie. Après on est sorti, il nous est arrivé pas mal de choses. Et puis finalement on est rentré pas trop tard. Et ce matin on s'est réveillé sous les cris de la mère et de sa fille. Voilà. On vit vraiment dans une télé-réalité américaine. On n'est pas allé voir le jardin en fait de la maison. J'ai pas envie de mettre un pied. En fait cette maison est nickel. C'est-à-dire qu'au premier abord, elle est vraiment parfaite, quoi. Genre, elle est plein d'options, super. Hier, on a pris un bain, parce qu'on prend un bain. Un bête de bain à bulles et tout. Et là, d'un coup, on entend les meufs qui toquent à notre porte. Sauf que bah, nous, on pouvait pas sortir, en fait. Donc, on attend. Puis, deux heures après, on sort de notre chambre pour aller manger. Et là, on voit sous le canapé du salon des tas de serviettes et des vases remplis d'eau. Elles nous disent, en fait, vous avez inondé la maison. En fait, l'eau est passée à travers notre bain. C'est un peu les péripéties que vous avez ratées depuis hier. Enfin, ça, je vous l'avais déjà filmé, mais c'est vraiment un truc de botch. J'ai mal au bras, hein. C'est lourd cette caméra. Là, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée après celle mouvementée d'hier. On va à Wynwood, c'est un quartier, donc là où on est en fait. Comment vous savez que c'est vers là-bas? On sait pas du tout, hein. On marche depuis tout à l'heure, mais on sait pas du tout où on va en fait. Voilà, vous voulez qu'on fasse un petit stop pour savoir où on va? Bah oui, parce que là, on marche. On marche, mais on sait pas où on va. Donc là, normalement, on va visiter Wynwood aujourd'hui. On verra bien si on y va ou pas. On vous tient au courant. Non, moi, je vais y aller. Hein. Alors là, on s'est vraiment réfugié dans un café, parce qu'il pleut. Donc on marchait jusqu'à Wynwood et d'un coup, une averse est tombée. Là, il pleut vraiment, quoi. Donc on commençait vraiment à être dans Wynwood là. Ouais, je sais. On commençait vraiment à rentrer en quartier. On va attendre que l'averse passe. J'espère que ça ne durera pas une heure, parce que là, on est dans vraiment un tout petit café. Il y a des tas de gros gâteaux finalement, des gros gâteaux américains. Et bah nous, on est là quoi. Et je bois de l'eau et elle un coca. On attend que la vie passe. Donc là, il pleut toujours. Hein. On est toujours coincé. Ça fait combien déjà qu'on est là, non? C'est comme ça? Non. Non? C'est pas 40 minutes, je crois. Oui, voilà. Finalement. On est coincé dans le magasin. Moi, je pense de gâteaux. Que dans 20 minutes, il fera beau. Il fait vraiment pas beau. Ton intuition, ouais. Mon intuition météorologique. Qu'est-ce qui fait moche? Écoutez, on est coincé quoi. Expecto patronum. Voilà, elle se prépare. Ça, c'est quand je fais apparaître un patronus pour chasser les détraqueurs. Ouais, ben là, ça marche pas trop. Hein. Je mets mes sunglasses. To protect myself from the sun. Il n'y a pas de soleil, il est dehors. Yes, the sun behind the cloud. I can see. Il y a des gens qui comprennent ce que tu racontes. C'est super. Parce qu'à la limite, quand tu parles français, personne ne comprend. Là, les gens se disent que t'es beau, quoi. Sache-le. Et toi, ça va? Il y a les gens sur la vidéo. Je veux pas les gêner. Ils sont déjà très mal à l'aise. Alors là, Wynwood, voilà, parce que Gweno veut absolument faire des photos sur Instagram,
C'est so instagrammable. On est chill, on est posé. Regardez-moi cette starlette influenceuse en devenir. Elle pose à côté de son flamant rose vêtu de la même couleur que sa robe. Et tout est calculé. Oui. Bon, allez, c'est parti. On se régale. Ok, donc là, ça y est, on est enfin sorti parce qu'il a arrêté de pleuvoir. Donc on se balade un peu dans Wynwood, on essaye de voir où est-ce qu'il y a des trucs jolis. On est passé devant un mur qui représentait des scènes de Stranger Things, c'était vachement beau. Et là on essaye de trouver des murs beaux quoi finalement. Mais Issa, montre-nous, elles sont où tes lunettes? Ah mais tu me reprends ça de suite? Tu les prends, on va les acheter en fait. Il y a le mur qu'ils ont fait pour le clip avec Shawn Mendes et Camila Cabello. Malheur, il est excellent ce mur. Voilà, je vous partage ça. On est dans le Adidas à Wynwood. En fait, c'est une tuerie. Là-bas, ça a l'air d'être un sacré d'elle. Malheur. C'est une blague. Voilà, ça c'est un Adidas quoi finalement. À Wynwood. Les pompes sont illuminées en fait. C'est une blague. Il y a des putains de voitures comme ça, mais partout quoi. Vraiment des très très belles voitures. On est toujours là à se balader quoi. Je vais me balader, allez me balader. Je vais me balader. Il y a que des têtes connues là. C'est super beau celui-là. Belle celle-là. Tu parles d'elle? Non, je parle de la voiture. Donc là, en fait, on est dans un ascenseur, il faut le savoir. Oh, moi, ça m'a perturbé. On est dans un ascenseur pour aller dans un rooftop pour boire un coup. Alors, petite update, on s'est fait recal. C'est-à-dire que moi, en plus, j'ai oublié ma carte d'identité. Donc, quand ils nous ont demandé les cartes d'identité, on en avait 2 sur 3 et on n'a toujours pas 21 ans. Du coup, on est redescendu gentiment. Et là, on cherche. Nous avons donc quelque peu de soucis à trouver un skybar d'ouvert, hein, vraiment tout le monde nous ramène. Ah mais c'est lui, on était au début, non? C'était ici, East, c'était ça, la Ferrari. On va demander à celui-là là. Au lieu on l'a pas demandé. Voilà, hein, j'ai demandé à 10 milliards de réceptionnistes d'hôtel. Mais tout le monde nous dit d'aller au Sugar, c'est là où on s'est fait refouler en fait. Mon dieu. Bon, du coup, vu qu'on n'a vraiment pas trouvé, là je me balade dans un centre commercial pendant qu'elles attendent un Uber. Voilà quoi, on n'a pas trouvé. Nous allons rentrer à la maison parce que demain on va se lever tôt. Vu qu'aujourd'hui il a plu, que c'était chiant, qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, on s'est dit demain on se lève tôt, comme ça on se fait pas avoir par la pluie. Très stylax, on est donc sur le toit. Très jolie vue.